Yo les gars, c'est pas le Mytho Killer. Alors aujourd'hui, on se trouve pour le troisième épisode de la série où je vous présente des dinos. Aujourd'hui, c'est le Dilophosaure R ou normal. Je vais vous afficher la commande directement. Elle est juste ici. SDF espace DILO-du-bas CHARACTER-du-bas BP-du-bas R espace 1 espace 100. Bah après là c'est le niveau. Si je veux mettre plus, je mets plus. Et donc là vous y avez votre dilo. Alors là ils sont R, c'est pour ça qu'ils ont des couleurs. Comme ça. On peut pas les monter les Dilophosaures sur Arc. On va les siffler comme ça et neutre. Et donc normalement cette petite bestiole n'est pas super rare. Ah remarque, si quand même. J'allais dire n'est pas super rapide. Quand même, en vrai, ça passe. Tu vois? Ouais, en vrai, ça passe. Ah, la petite musique de Arc là. Donc, on va les faire venir. Après, c'est facile de les semer. Ah, remarque, ouais, non, c'est vrai. C'est facile de les semer, c'est facile. Donc, on se retrouve pour un épisode de 5 minutes max. On va faire comme le dernier avec les loups. Donc là, on est sur le troisième. Le premier, c'était les troodons. Le deuxième, les loups. Dites-moi ce que je voulais que je fasse la prochaine fois. Donc, en R. Alors, voilà. Déjà. Ouais, bah, ils se retrouvent à nager maintenant. Surtout, je vais leur dire d'attaquer ce petit dodo. S'il vous plaît. Attaquez-le. Oh, regarde. Donc là, il crache l'acide. Il crache l'acide et il crache l'acide. Et après, ça le tue. Et donc, on va faire ça avec lui. Regardez, je vais vous montrer. Relation. Regardez. Bon, voilà, il se fait direct démonter. Enfin, en fait, il faut qu'ils rechargent leur... vous savez, là, leur réserve de poison. C'est pour ça qu'ils mettent pas du poison direct. Voilà, le poison, il sert à aveugler et à ralentir sa cible pour qu'après il aille la démonter. Les petits litrosaures. On va tester contre eux. Alors, pas de poison. Ah ouais, si. Ils sont clairement démontés les litrosaures. Désolé toi, petit, mais. Trop mignon les litrosaures, mais. Je suis obligée. C'est pour la science, pour mes abonnés. Un like pour ce petit trésor décidé en ce jour. Mais en vrai, en plus, les Dilophosaures R, ils sont boostés parce qu'ils sont R. Et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que je vous les présente quasiment tout le temps R. Si vous voulez que... Oh, oh la bande. Oh là là. Alors vous êtes morts. Mes Dilos, ils sont plus forts. Allez les Dilos. Voilà, vous les démontez. Ils sont trois aussi, eux. Allez, allez, allez. Mince, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Ils nous prennent par l'arrière, ils nous prennent. Si on va regarder le fight. Ok, ils sont tous, mais démontés. Ok. Oh là là. Oh, ils les démontent. Vous voyez pourquoi les R, pour moi, c'est plus fort. Bon, allez, let's go. On va leur dire de venir. Et puis on va monter là-haut et puis on va se trouver une petite proie. Ça sera déjà la fin de l'épisode. C'est si rapide, mais j'aime beaucoup faire ce genre de présentation de petits dinosaures. Petit, après c'est petit, mais vous vous rappelez ici on a affronté des... Ah. Avant de monter, on va se le faire. Putain, il va me cracher. S'il me crache son truc, je le démonte. Il n'y a pas de question. Il me l'a craché en plus. Oh. Juste après qu'ils vont se le faire. Venez, on teste contre un iguanodon. En plus, ce truc, ça fuit pas et c'est bien agressif. Et c'est bien pour ça. Genre, ça agresse pas. Mais si tu le cherches, croyez-moi que c'est fort. J'ai pas vérifié son level. Oh là là. Allez, allez, allez. Le fight. Attention. Crachat d'acide. Ok, ça touche. Ok, pour le moment, ils ont le dessus. Ouais. Ah ouais. Clairement, clairement. Regardez, ça attaque. Ils l'ont tué niveau 32. C'est lui qui nous suivait, il est là. Ok, ça c'est un dimorphodon, les gars. Ça c'est fort. C'est plus fort qu'un dilophos.
Parce que eux. Non, d'îlot, pardon. Pas un îlot faux, ça se dit pas. Donc, est-ce qu'ils me suivent toujours? Ah oui, mais en plus, ils sont assez rapides en fait. On fait une dernière proie et puis on va s'arrêter là. J'espère que les loups, vu qu'ils sont assez à proximité, ils vont pas compter que. Venez, on va essayer de tenter un sarco. Vous voyez, là, les marécages, là, c'est le pire. Hop, je vais leur dire de descendre. Alors, eux, ils prennent pas de dégâts, tu me demandais pas, Arc, ils sont pas... Il y a logique là-dessus. S'ils sont coincés, on arrête l'épisode, hein. Ah, j'avoue. Puis, écoutez, il sera très long, on fait contre un... C'est quoi pour terminer en beauté? Parce que là, il est déjà super long, pas plus. On termine contre un paracerf, c'est énorme. Allez! Ça fait en soi un niveau 300 si on fusionne tous les niveaux. Et là, parce qu'en plus, ces trucs, ça. Ok. Alors, qui va gagner entre les 3 Dilophos et le gigantesque paracerf? Alors, tu vois. Et là, ils sont que deux à l'attaquer. Oh, ils saignent! Les dinos sont plus forts qu'un paracerf niveau 20. Je sais pas. Ok, donc là, ils vont tracer. Ils vont suivre. Ouais, bah, on peut directement donner. Hop. Voilà, il est bloqué. Bon, bah là, le coup, on rentre. Il va se faire démarrer. En plus, il se fait ralentir et tout. Ouais. Il est mort. Bon les gars, j'espère que sur cette magnifique... C'est terminé. Ça s'est terminé comme ça. Combat contre le Paracerf, c'était l'épisode 3 avec les Dilophos. Salut, c'était Palmito Killer.